Tout l'édifice des enseignements est bâti sur des piliers de croyance. La croyance est le sentiment, l'idée que nous avons de Dieu et du monde. Croire, c'est savoir. Croire implique un comportement. Avant même de pratiquer, il faut d'abord croire. Le croire répond au pourquoi, la pratique répond à la question du comment. Une fois qu'on a compris pourquoi nous existons, à travers les dogmes de la croyance, la charia vient répondre à la question de la technicité de l'existence, c'est-à-dire répondre à la question comment exister. Mais avant de répondre à la question du pourquoi, du comment plutôt, il faut d'abord savoir pourquoi. Pourquoi nous obéissons, pourquoi nous pratiquons, pourquoi nous faisons la prière, pourquoi il faut être bon. Et c'est la croyance qui donne le sens à tout cela. Et le Coran nous propose un ensemble de croyances. Il y a des croyances essentielles, majeures. Il y a des croyances secondes. Je ne dis pas secondaires, mais secondes. Il y en a en deuxième, peut-être en troisième lieu. Et donc dans le domaine de l'aqida, il y a les piliers et il y a les branches. Là aussi, dans le rapport à l'aqida, il faut mettre un peu d'ordre mental et spirituel dans le rapport au dogme de la foi. On peut résumer l'ensemble des croyances en trois piliers essentiels. Le reste sont des branches, d'une certaine manière, qui proviennent de ces trois dogmes, qui sont les dogmes des dogmes. Le premier dogme, qui est le dogme de tous les dogmes, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout gravite autour de Dieu qui explique le mystère de l'existence. Ce mystère qui ne peut être expliqué que par la foi. L'incompréhensibilité du monde est justifiée justement par cette foi dans cet absolu. C'est ça le propre de la foi, s'en remettre à un mystère qui vous dépasse. Être conscient qu'il y a derrière le monde quelque chose qui nous dépasse, et que le monde n'est pas la mesure de toute chose, n'est pas la métrique de toute chose. Son esprit ne peut pas cerner toute la vérité. Et donc l'unicité, elle répond avec synthèse à toute la question du mystère de l'existence, sans pour autant lever le voile sur le mystère de l'unicité. Parce que le musulman doit continuer sa quête de Dieu. Et donc le dogme, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ qui oriente la pensée, mais qui oriente la marche également. Mais tu dois continuer la marche. Et déjà comme ça, ils pensent qu'il suffit d'être musulman pour arrêter la marche. Rien à chercher, ni Dieu, ni... c'est bon. Mais non, le Coran, c'est un point de départ. Donc les dogmes éclairent. C'est pour cette raison que les musulmans ont travaillé sur l'unicité de Dieu, la théologie, la mystique. Et donc, un Dieu qui se laisse approcher par les subjectivités des gens. Je suis à l'image de ce que pose de moi mon serviteur. C'est à toi de choisir ton Dieu.
tu auras le Dieu que tu mérites. Donc tu dois faire l'effort de le chercher. Et puis il y a le deuxième dogme qui est le dogme de la prophétie. Le prophète Mohammed, c'est l'homme par lequel cette vérité nous a été introduite. Et donc, c'est une pièce maîtresse dans le puzzle de la dogmatique musulmane. Tout passe par l'homme. Donc l'homme a une place. Et le prophète n'est pas uniquement un facteur qui vient nous apporter un message. Il est le messager et il est le message en même temps. Voilà la conférence de l'Ilahi. Où soit-on ? Ceux qui veulent réduire l'homme Mohammed uniquement à quelqu'un qui a fait la médiation et qui nous a apporté passivement la révélation. Non, il a contribué. Il leur enseigne le livre. Il avait cette tâche de purification. Il avait une fonction parallèlement à la fonction de la narration. Il y a dit, mais sa fonction ne s'arrête pas uniquement à leur apporter le Coran. Nous a apporté la Sunna, nous a enseigné l'explication du Coran, il était un modèle. Il a fait les chiens, parfois il se trompe, il y a le Coran qui l'a activé, mais il a assumé sa responsabilité également, pour être un modèle également à tous les musulmans. Deuxième dogme. Troisième dogme, qui est le dogme que nous allons traiter aujourd'hui, mais de manière rapide, c'est le jour du jugement dernier. Ce jour qui donne sens à l'existence. Parce qu'on pourrait croire à un Dieu existant, mais qui n'est pas exigeant. Un Dieu qui a créé le monde, comme le Dieu des Grecs, hein, qui ne s'intéresse pas à la condition des hommes, faites ce que vous voulez, moi je m'intéresse qu'à moi-même. Non, mais il y a un Dieu qui s'intéresse à l'homme, pour l'aider à grandir, hein, et à évoluer. Rab, c'est celui qui vous élève. Rabat, ça veut dire grandir, il nous éduque. Notre éducateur, c'est Dieu lui-même. Et donc, il y a un tout. Il y a des comptes à rendre. Sinon, la vie serait absurde. Faites ce que vous voulez dans ce moment, vous n'avez pas de compte à rendre. Vous pouvez éviter les tribunaux de ce bas monde, eh bien, vous pouvez avoir peur des gendarmes, du glaive du magistrat. La croyance au jour du jugement dernier nourrit la conscience par un tribunal intérieur. Le musulman, elle a son propre tribunal, sa conscience, parce qu'il sait qu'il a des comptes à rendre à Dieu. Il vit comme tout le monde, mais n'a pas la même perception du monde comme tout le monde. Et c'est ça, l'invisibilité du musulman agissant. Ce n'est pas la longueur de la barbe, ni la longueur du foulard, mais ce qui vous habite comme pensée, comme croyance, qui vous accompagne tout le temps. Parce que vous pouvez être en apparence en conformité avec l'islam, mais l'intérieur est vide d'une conscience éveillée de ce retour inéluctable à Dieu. Donc, l'homme, l'arrêt, c'est quelque chose de lourd. C'est pour cette raison qu'il revient souvent dans le Coran. Mais nous, il est là, il est croire en Dieu et en le jour du jugement dernier. Croyez-vous que je vous ai crié en vain et que vous n'allez pas retourner envers nous? Dit le Coran, il y a un retour. Et la boucle sera bouclée. De Dieu le bon homme, et c'est à lui le retour. Nous sommes créés pour l'éternité. La mort, ce n'est pas une expulsion du monde, mais le passage d'un monde restreint vers un monde plus vaste. Vous vous rendez compte, si le musulman travaille sur ces idées-là, il sera source de bien. Il ne peut pas penser au mal, parce que cette croyance chasse et évacue le mal. Et on ne peut produire que le bien. On n'a pas besoin des détails halal-haram. Pas besoin. Si vous êtes habité par ces éléments-là, la rectitude dans le rapport à la dogmatique transforme le comportement. Un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant de lui poser la question, le prophète lui dit, tu es venu chercher
et poser la question au sujet du bien et du mal. Parce que le prophète était un grand sémiologue. Les gens qui sont capables de lire dans les cœurs, à travers les comportements et les visages. Donc le prophète connaît ses compagnons. C'est pour cette raison qu'il ajuste sa réponse en fonction du besoin de son interlocuteur. C'est ça la thérapie prophétique. Ce ne sont pas comme les overdoses aujourd'hui qu'un certain nombre de prédicateurs donnent à leur corps religionnaire. Des médicaments, certes, mais des médicaments mortels. Parce qu'il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de notice. C'est ça le savoir prophétique. Donner le verset, le hadith, qui correspond à l'homme et à la situation. Ce n'est pas la récitation du Coran et du hadith. C'est l'usage qu'on en fait. Le prophète, il dit oui. Tu es venu chercher bien le mal. Sache que le bien, c'est quelque chose qui te procure la sérénité. Tandis que le mal, c'est quelque chose qui bouillonne à l'intérieur, dont tu as honte de divulguer. Je vais donner des critères. Et le prophète de continuer, même si on te donne des fatwas, ne perds pas ce repère. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le fatwa, c'est un comprimé qui va résoudre leurs problèmes, mais ça vient leurs problèmes. Le musulman doit prendre le temps de lire dans son esprit quelles sont les motivations, etc. On a le terme, on a la mesure au profond de l'humain. Il y a des gens qui esquivent, ils font de la religion des esquives. Ils savent bien qu'ils sont en train d'utiliser certaines choses en apparence juste pour des motivations qui sont égocentriques et parfois des raisons qui ne sont pas sincères. Consulte ton cœur. Le bien, tu le sais. C'est comme l'animal, c'est comme le chat. Même les animaux savent le bien et le mal. Un chat, lorsque vous lui donnez une viande sur place, il la consomme devant vous. Par contre, quand il la vole, il se sort. Parce qu'il sait que... Ah, ce sont les chats du bled, hein, pas les chats de France, parce que les chats de France, ils ne volent rien, ils ont tout. Même nos chats sont des délinquants. C'est inscrit dans la nature. Ce sont des lois universelles. Eh bien, le Coran est venu pour confirmer ces choses-là, tout simplement. Et donc, on se prépare pour rencontrer Dieu. Parce que l'œil de Dieu, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Dieu ne regarde pas vos apparences, vos faces, mais regarde vos cœurs. Et on a négligé le cœur. Et on a négligé les croyances. Et on pense que faire halal, etc., on s'intéresse à tous ces marqueurs identitaires au dépend de ce qui fait le cœur de notre religion. On a besoin de se réconcilier avec Dieu, avec ses dogmes, avec ses aqidas, avec ses pratiques du cœur qui donnent une qualité à notre vie. Et donc, un musulman qui se prépare à la rencontre de Dieu doit vivre sa vie avec deux émotions, deux sentiments. Ce sont deux sentiments qui relèvent d'une grande spiritualité, une pratique invisible, mais qui donne une qualité à la pratique, parce qu'il relève d'un coefficient spirituel supérieur, l'espoir et la crainte. Espérer en Dieu et craindre Dieu. Le Coran souvent parle de ces pratiques. Ce sont deux pratiques. Il n'y a pas que les cinq prières, le jeûne du mois d'or. Si vous pratiquez toutes ces pratiques sans ces deux émotions, eh bien votre pratique est sécularisée, c'est-à-dire coupée du sens, coupée de Dieu, et coupée du jour et du jugement dernier qui incarne la justice de Dieu, mais surtout la bonté de Dieu. Parce que le jour du jugement dernier, ce n'est pas une affaire de justice, c'est une affaire de miséricorde également. Dans un hadith sahih, Dieu a établi dans ce bas monde une seule miséricorde. Il a laissé pour le delà 100 miséricordes. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la miséricorde du jour du jugement dernier
va se manifester dans des formes encore plus étonnantes que la miséricorde dont nous bénéficions dans ce moment. Il ne faut pas se tromper de Dieu. Ce n'est pas un Dieu avec un bâton. Oui, mais le bâton commet une menace. Mais l'exécution, il n'est pas dit que Dieu met en pratique ses menaces. Il y a tout un débat chez les théologiens entre la promesse et la menace. Tous les savants sont d'accord que Dieu tient ses promesses. Par contre, sa menace, il peut ne pas la respecter. Parce que ne pas respecter une menace, c'est un acte de générosité. C'est comme quelqu'un qui menace son fils, mais par pitié, par amour, il ne le met pas en exécution. C'est un acte valorisant. Par contre, si tu promets à ton fils de lui donner quelque chose que tu ne lui as pas donné, les jeunes s'y aiment les jeunes. On ne fait pas ça. Quand on promet, on doit tenir la promesse. Par contre, l'exécution et la menace, le fait de l'exécuter, c'est une justice, mais encore mieux de ne pas le mettre, la mettre en exécution. Et donc, lorsque vous entendez « وَيُحَذِّرُكُمْ » et Dieu vous met en garde contre lui-même, ça ne veut pas dire que systématiquement tout péché, tout ça, elle va succomber à la menace. Mais il y a une probabilité que sa menace s'exécute. Et Razali nous donne la meilleure posture intérieure concernant le rapport à Dieu à cet égard. Il dit oui, la crainte c'est nécessaire parce qu'il y a un châtiment réel quand on parle de l'enfer, de la hadad, etc. C'est pas une plaisanterie. Mais en même temps, il parle plus de sa rahma que de sa colère. Donc il faudrait prévaloir l'espérance, pas l'espoir, parce que l'espoir ne pousse pas à l'action. L'espérance pousse à l'action. Quand tu espères, tu agis. Sinon, ça s'appelle le laxisme, la fainéantise, le je-m'en-foutisme. Attention, il ne faut pas que l'espérance soit un je-m'en-foutisme. Je m'en fous, de toute façon, je ne prends pas trop au sérieux les menaces de Dieu. Non, je vais le prendre au sérieux. Et en même temps, il faut savoir que Dieu, sa miséricorde, l'emporte de loin de sa colère. Le jour où chaque âme sera confronté à ce qu'il aura fait de bien et ce qu'il aura, fait de mal. Ce jour-là, il souhaitera qu'il y ait une grande distance entre elle et ce qu'il a fait de mal. Et Dieu vous met en garde à l'égard de lui-même. Normalement, la chute devrait être, et sachez que Dieu est punissant et coléreux. Mais la chute est intrigante. Après avoir menacé, la chute apaise. Il dit à la fin du verset, et sachez que Dieu est tendre envers ses serviteurs. Wallahu ra'oufoun. Après avoir menacé, il apaise. Parce que le but, ce n'est pas de menacer, ce n'est pas de châtier, mais d'apaiser afin d'aider l'homme à grandir, d'être bon. Parce que tout l'islam est fait pour l'individu, pour qu'il grandisse, pour qu'il connaisse son Seigneur, pour vivre bien dans ce moment et dans le delà. Tout est fait pour l'homme. Dieu peut se passer bien de l'homme. Il n'a pas besoin de notre prosternation, ni de notre moralité, mais nous a créé à son image, afin de le connaître à partir de ce que nous sommes, être faillible et peccable. Ce sont des pratiques qu'il faudrait mettre en œuvre. L'espérance en Dieu. Quand on pêche, que l'on soit dans l'adoration ou dans le péché, ces deux sentiments ne doivent pas nous piquer. Quand on fait dans l'action, on craint de ne pas être accepté. Parce qu'il n'est pas dit que notre action est parfaite. Mais en même temps, on espère qu'il soit accepté. Et quand on faute,
On craint. On doit craindre les conséquences de la faute dans ce domaine, dans le au-delà. Les sages amanis, comme les amanis, à l'Écriture, manière malsouane, yuzadi. Il ne s'agit pas d'avoir d'espérance ou d'espoir comme les gens du livre. Vous êtes au même titre que celui qui fait une faute, le paiera. Comment? Ou bien on se repent, le repentir est le feu qui brûle les fautes. Si on ne se repent pas, les épreuves de la vie brûlent les fautes. Si l'on ne se repent pas, le feu de l'au-delà brûle les fautes. Jusqu'à ce qu'il ne reste aucune faute, et puis à la destination finale, c'est pas, Dieu n'a pas créé l'homme pour... La sanction, c'est un moyen, c'est pas un objectif. Une fois qu'il a la restauration de l'individu, eh bien, il sort de l'enfer. C'est pour cette raison qu'il y a des passages et des hadiths qui évoquent l'extinguibilité de l'enfer et l'éternité du paradis, parce que l'enfer, c'est sa colère, et sa colère s'éteint, alors que sa miséricorde est un attribut d'essence. Dieu dit, informe mes serviteurs que je suis le miséricordieux. Tandis que mon châtiment, il est douloureux. Il n'a pas dit je suis le miséricordieux, le châtieur. Il ne peut pas se qualifier de coléreux, de châtieur, parce que le châtiment, c'est un acte. Un acte n'est pas éternel. Par contre, être miséricordieux, c'est un attribut d'essence éternelle. Dieu vous met en garde à son égard, mais sachez quand même qu'elle est tendre envers ses serviteurs. Et c'est cette relation que nous devons établir. Que l'on soit dans l'adoration, dans le péché, il faut continuer le chemin avec ces deux sentiments, avec deux attitudes de l'espérance et de la crainte. En faisant prévaloir l'espérance sur la crainte, parce que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala l'emporte sur. Sur ce, ça que l'on a dit, c'est 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 que l'on a dit, اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبلغنا فيمن عافيت وقنا صرفنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.